Dans le cadre de notre contrat de collecte avec Rennes Métropole, nous avons développé ce qu'on appelle le FIT, Fonds d'initiative territoriale. Donc ce FIT permet de développer des expérimentations, de les décliner au niveau de certains territoires de Rennes Métropole, et s'il y a succès, eh bien nous développons ces initiatives pour développer notre collecte traditionnelle. Dans le cadre de ce FIT, nous avons eu l'idée de développer la collecte et la valorisation des biodéchets et de le faire de manière très locale. Nous avons déjà un partenariat avec Tout en Vélo. Nous avons développé et étendu ce partenariat. Tout en Vélo achemine les bacs de biodéchets collectés sur le quartier vers le composteur électromécanique qui a été construit par Upcycle. Ce composteur électromécanique est logé dans un chalet de façon à être complètement sécurisé. Les biodéchets sont réceptionnés et ils rentrent dans le process de fabrication d'un nouveau compost, et ça de manière très locale. Le compostage, lui, est assuré par l'association L'École Vert, qui ont en charge notamment l'exploitation de la ferme urbaine du quartier du Blône. C'est un process de broyage, d'assemblage des biodéchets avec un broyat, c'est-à-dire des feuilles, des copeaux de bois, des branchages. Il y a un volume de un sac de biodéchets pour un sac de broyat. Et ainsi, il y a un système qui permet de fabriquer, après maturation, un compost. Et ce compost est totalement réutilisable au niveau de la ferme urbaine du Blône. Le but à terme, c'est de pouvoir développer cette collecte de biodéchets et cette valorisation locale sur l'ensemble des producteurs de biodéchets du quartier, qu'ils soient des restaurants, des gros producteurs, des écoles ou des habitants. Et on pourrait aller jusqu'à produire jusqu'à 170 kg de compost par jour. Cette innovation accompagnée par Suez est véritablement un pas supplémentaire vers l'économie circulaire. Elle répond pleinement à l'obligation de tri à la source des biodéchets et en plus avec une solution de valorisation locale.